Au lendemain de la victoire des conservateurs aux élections législatives en Grèce, Kati Merini, grand quotidien conservateur, parle d'un message fort pour de grands changements. Là où le journal de gauche Avgi titre « La gauche est bien là ». Les Grecs, eux, sont mitigés. C'est quelque chose de nouveau. Nous devons essayer et voir ce qui se passera ensuite, comme nous l'avons fait avec M. Tsipras. Ils étaient dans le gouvernement d'avant et ils ont tout foutu en l'air. Ils nous ont envoyés dans le caniveau. Et maintenant, ils veulent nous sauver. C'est une blague. Kyriakos Mitsotakis a en effet été ministre de la réforme administrative dans le précédent gouvernement conservateur d'Antonis Samaras entre 2012 et 2014. La chute d'Obdoré est saluée. Le parti néo-nazi n'est pas parvenu à se maintenir au Parlement. C'était une honte qu'ils aient été au Parlement. On voit que ce genre de phénomène tend à baisser en Grèce et que les Grecs ne votent plus pour de tels partis. Si l'on regarde les titres de la presse grecque, tous les partis donnent l'impression d'avoir remporté ces élections. Syriza n'a pas perdu avec un faible score et Nouvelle Démocratie est le premier gouvernement à obtenir une majorité absolue au Parlement depuis 2009. Quoi qu'il en soit, la tâche du nouveau gouvernement sera difficile. Les Grecs veulent voir rapidement des résultats économiques et une amélioration de leur niveau de vie. Από την Αθήνα για το Euronews, Κλέλια Βαταγγέλου.